Hogwarts. Oh, bien. Hogwarts. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour George et les avertir pour Ranrok. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Mais non. Préparez-vous à rencontrer le directeur. C'est un ancêtre des Blacks. C'est un ancêtre passionné, toi. Merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Ah, il est plus gentil de Mulder. Hein. Chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Heureusement, c'est un prof... Dieu. Oh là là, la grande salle. Oh là là, c'est là où il y a le chapeau. Le chapeau de magie. Professeur Weasley. L'homme. Il nous reste quelqu'un à répartir. Alors, il y a un ancêtre des Weasley aussi. C'est qui donc? Bienvenue. Ah, c'est elle. Vous arrivez juste à temps. Bon, on l'avait vu. Asseyez-vous. Ouais, c'est la co-directrice, elle. Ouais, c'est la co-directrice. Bon, c'est... Hein, c'est bon, on sait bien Weasley, hein. Oh là là! Oh le chapeau! Le chapeau magie! Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici. Des préférences et des préjugés. Eh, c'est quand même bien réussi à refaire la voix du chapeau, hein? Parce ouais, que le mec qui l'a fait est mort? C'est le doubleur, mais je pense que c'est de la VO. Le doubleur de la VO, je crois qu'il est mort. Mais pas de la VF. C'est le doubleur de la VO. Après, qui est vu de ce qu'il a dit, c'est pas des passages qui ont déjà été dit dans les films au hasard. J'ai hâte de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués. C'est ce que voie, vous apprendrez en cours ouais, mais la VF, vous c'est permettra normal, de relever les nombreux défis du monde extérieur. Oh, vous avez du courage, hein? Vous êtes téméraire. L'inconnu ne vous effraie pas. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut. Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. Oh, let's go. Bah, vas-y, hein. De toute façon, moi, quelle surprise. J'ai fait le test sur le site avant, donc... En vrai, ça t'a peut-être choisi parce que t'as Link aussi, non? J'ai tout Link, ouais. Pas d'hésitation. Parce que j'avais vu Kameto, il avait plus de questions. C'est un problème d'FPS, ça. Ouais. Ah. Bah, c'est le chapeau, il prend tout, il a volé tous les FPS. Sacré chapeau. Oh, wow. Hop là. Et là, elle t'a mis le chroma rouge. Par contre, c'est quoi ces chaussettes qui montent jusqu'au genou, là? Par-dessus le pantalon. C'est des chaussettes... c'est cool, ça. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Mais quoi? Bon, une blessure, hein. Silence. Une blessure, il a annulé tout un an. Totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Vas-y, comment il... J'ai dit... Oh, il est insupportable. Ouais, il casse un peu les couilles, hein. À faire ah, c'est un stal... le début des cours demain. C'est un couillon, hein. Lui, il fait bien directeur d'école, tu vois. Là, pour le coup, je suis bien dedans, là. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue? Ouais, mais calme-toi deux secondes, toi. Je m'en occupe, monsieur.
Lui, ça se voit, il aime pas qu'on lui vole la vedette. Je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. N'empêche, t'es pas n'importe qui, hein, parce que vraiment, t'es déjà le deuxième prof qui tombe, non? Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Oh, c'est la grosse dame! Cela s'annonce passionnant. Oui, j'ai oh, putain! Je me souviens ouais, d'arriver elle. Dans la salle commune de Gryffondor après ma répartition. Vous étiez Gryffondor? Je suis Gryffondor. Oh, tous les Weasley sont Gryffondor. Moi, je n'arrivais jamais à me souvenir du mot de passe à l'époque. Ah ouais? Mot de passe? Oh bah ouais. Mot de passe? Trou de balle. Le mot de passe est Grata Domum. Grata Domum. Vous pouvez passer. Ah bah elle est moins chiante que dans les films. Tu sais que, premier degré, voir ça, ça me donne juste une envie, c'est de regarder le film. Bien. Le 1, là. Le 1, je l'ai pas vu depuis des années. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Par contre, merci, professeur Weasley. Je vous là, t'es obligé de passer à 4 pattes, là, pour rentrer là-dedans. Une bonne première nuit. Dormez bien. Eh ben. C'est quand même stylé comme plan. Hein. Hop là. Putain, c'est pas avec tout le monde est déjà. Waouh. Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Gryffondor. T'as pété ton crâne. T'as pété ton crâne. Ok, bon. Bon, où est la salle commune déjà? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ok. Et par là-haut encore. Ah, la minimap a dit d'aller vers le bas quand même. Hein. Ah, il y a encore des chambres. J'ai quand même l'impression qu'il fallait aller en bas. Hein. Ah ouais, tu penses? Bah, c'est ce que le point de vie, ouais, non. C'est au de niveau 2? Oh, tu peux péter les affaires des autres. Alors là, ouais. On m'a volé ma culotte. T'allais dire on m'a volé ma kikine. Bah alors t'as pas. Bah quoi? T'as volé ta kikine. On m'a volé ma kikine, ouais. Ça me rappelle moi quand j'étais à l'internat et un mec qui avait volé le soutien-gorge d'une meuf, un détraqué là. Bah oui, ça retrouvé. Tu m'avais raconté. Ouais. Bah du coup tu peux faire pareil à Poudlard, super. Bravo hein, bravo le message du petit jeu hein. Tu veux quoi toi? Oh, mais tout le monde parle que de toi, t'es vraiment la star du dortoir. Bah tu fous le feu? Tu peux cracher dedans, c'est quoi? Une pisotière? Faudra peut-être un... Waouh. Mais artefact magique. Mais c'est des malades là-haut là. Le mec il arrive, il se lève, premier truc, il lance un gros sort là. Gros stupéfique dans sa... Moi je prends mon petit thé là. Bah ça va, en wifi tu l'as vu ton thé hein. T'as vu, elle a reçu une beuglante. Il serait temps de grandir, mon enfant. Elle se fait engueuler là. Ah, c'est tellement drôle ça dans le film, quand Ron il en reçoit une. Ah ouais. Croyez-moi, ça va vous plaire. Oh, il y a plein d'interactions là. Waouh. Je n'aime pas la taille de mes jambes. Bah du coup là faut que tu parles à des pélos. Ah oui, tu veux pas goûter? C'est moi Garrett. Qui l'ai faite. Bonjour, je suis Roux. Tu es l'élève de 5e année qui vient d'arriver. Enchanté. Oh son bonjour, il avait l'air tellement débile. J'ai entendu parler de ton arrivée ici. Incroyable. Je suis content que vous alliez bien, figuez-toi. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un du ministère avec vous dans la diligence? Oh, oui. Une connaissance du professeur Fig. Oh, je ne voulais pas être indiscret. Sale affaire, les dragons. Je suis soulagé que tu ailles bien. Merci bien, Garrett. Moi aussi. Tu es de la même famille que le professeur Weasley? Ouais, c'est ma tante. Ah ah. Ah oui. Ça doit faire, faire tout ce que c'est tu veux. C'est pas compliqué pour toi d'avoir ta tante ici? Encore plus que ce que tu penses. La plupart des gens imaginent que je peux faire tout ce que je veux sans aller en retenue, mais ils ont tort. Tante Mathilda a tendance à me traiter comme si j'étais en première année. Elle me surveille de très près et c'est un peu étouffant. Mais je sais qu'elle veut bien faire. Et c'est une sorcière très puissante. On peut toujours compter sur elle. Elle maîtrise la sorte de niveau 3.
Tu bois de la bière au beurre dès le petit déjeuner? Hein? Oh, ouais, non. T'es rapta, mon gars. J'essaie de perfectionner une recette que j'ai inventée cet été. J'y suis presque. D'après certaines réactions, il me c'est de la bière au citron, c'est pas du tout pareil. Tu aimes les mix, me traite pas d'alcoolo. Je suppose que tu es doué pour préparer les potions. Eh bien, d'après moi, il y a fondamentalement peu de différence entre une version modifiée de la bière au beurre et une potion Wiganweld. Bien que je ne sois pas sûr que le professeur Sharp soit d'accord. Il n'apprécie pas autant ma créativité que tu pourrais le penser. Ah ouais, alors Garrett, il est là, il va... Oh, je suis blessé. Attends, je vais mettre Rapta avec un petit peu de bière au beurre modifié, là. En fait, il a pas compris qu'être bourré, c'est pas parce que tu ressens rien que tu ne prends rien. C'est il a arraché, gros, Garrett, sur le champ de bataille. Là, j'ai pas mal. Bonne chance pour aujourd'hui. Oh, les potions, c'est nul. Je vais me rouler un petit ouinge, là, en lège. Oh, les gars, ça, c'est un artefact magique très puissant. Il a tapé dans tout ce qui est vagraille. Gros, t'es là, tu te nourris de tout ce qu'il y a. Il va vivre d'or? Ouais, t'es pas arrivé, y'a un truc qui a volé là. Bon, attends, je vais reprendre un deuxième. T'as faim là, hein? Oh, par contre. Elle pourrait bouffer des pots au chocolat le matin, c'est mieux, hein. Oh, attends, ça c'est un coffre de niveau 3. Coffre de maison. Et tu peux faire là-dedans ta l'épée. Je peux même pas l'ouvrir. Ah, faut placer un truc, faudra placer un artefact. Pour avoir l'épée de l'élu. Toi, t'as niqué le canapé, hein. On sent que elle. Oh, elle, c'est Hermione Granger, tiens. Oh, et puis elle, c'est la folle. Tu lui lances un grand sort dans la gueule. Putain, qu'elle tombe là. Et tu fais bonjour. Ok, bon, bah, ça va être nos potes, ça. Je ne comprends pas ce que je fais de mal. Ah, c'est Hermione Granger. Je devrais pouvoir le lancer sans utiliser ma voix. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que t'es naze. Ah, bonjour. Bienvenue à Gryffondor. Je suis Cressida. Ravie de faire ta connaissance, Cressida. Tu as fait une entrée spectaculaire à la cérémonie de la répartition hier soir. Tu es arrivée juste à temps. C'est vrai que tu es le protégé du professeur Fig? Alors déjà, ça part mal. Je ne dirais pas ça, non. Mais j'ai étudié un peu avec lui avant notre arrivée. Zut! J'espérais qu'il t'avait donné des conseils sur les sortilèges informulés. Ah ouais, carrément. C'est ce que tu essayais de faire tout à l'heure. Oui, j'ai un souci. J'ai maîtrisé le sortilège à l'aide de son incantation, mais c'est un peu plus compliqué. Sortilège sans dire un mot. Je sais que tu vas y arriver. Allez, on est copains. Oh, super. Oh oui, j'espère. Si j'y arrive, le professeur Ronan sera vraiment impressionné. De toute façon, si tu n'y arrives pas, ça veut dire que t'es naze, hein. Et du coup, tu seras viré de Poudlard. Est-ce que beaucoup d'élèves lancent des sortilèges informulés? Pas du tout. On n'apprend pas les sortilèges informulés avant la sixième année. Ah ouais? Et de nombreux élèves ont beaucoup de mal. J'essaye simplement de prendre de l'avance. Et c'est difficile? Est-ce vraiment difficile de lancer des sortilèges informulés? Oh oui. Et si on n'y arrive pas, le résultat peut être un peu... embêtant. Une fois, j'ai essayé de lancer Repulso sans parler sur un verre dans la grande salle. Et j'ai envoyé du pudding au visage du professeur Sharp. Il n'était pas ravi. Eh bien, bonne chance. C'était un plaisir de te rencontrer, Cressida. Moi aussi. Profite bien de ton premier jour. Eh ben, merci, Maros. Bon, comment on y accède à elle là-haut, là? Puisque moi, je commence à... J'espère que le professeur la coincera d'elle. Dès le premier jour, je suis sûre qu'elle te servirait. Je vais te parler, toi, là-haut, là. Descends là, grognasse. Mais wesh, mais attends, là, attends. Ah, se présenter, là, ta VV. Ah non, mais non, merde, c'est... Pour qui elle se prend, cette Nelly? Je ne te défendrai pas. Ne tombe pas, cette fois, Nelly. Attends, si je me mets avec le groupe... Nelly. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Un professeur pourrait arriver. Pourquoi tout le monde est si tendu? Il n'y a aucun danger. Elle, c'est l'acrobate du groupe, elle. Oh, bonjour. Ne fais pas attention à moi. J'aime changer de point de vue de temps en temps pour mettre les choses en perspective. Une fois, j'ai escaladé la tour de Gryffondor depuis l'extérieur, sans balai. Ouais, c'est une kamikaze, gros. Je m'appelle Nelly. C'est Diamakassi. J'ai entendu des rumeurs sur ce qui t'est arrivé sur le chemin de Poudlard. C'est vrai pour le dragon? Bah ouais.
Rien insurmontable, ça y est, un mec qui est mort. Bon, oui, hein. Notre diligence a été attaquée. Et le quemé de du ministère a été rincé. Passionnant et terrifiant. En tout cas, t'as apporté un peu d'animation à Gryffondor et à Poudlard. On en avait. Pourquoi elle parle comme une débile? Non, je sais pas, gros, mais ça, c'est bizarre. Ah, tu sens qu'elle glisse pas loin le pingouin là. La plupart des élèves n'ont jamais vu de dragon. Et toi? Oh non, je n'avais jamais entendu parler d'un dragon attaquant une diligence. Il n'y a pas assez de viande pour lui à l'intérieur. Oh putain, ah, m'insupporte. Ah, j'ai rien dit, je préfère son fouet Hermionel. Je crains pas le vertige. J'ai toujours fait ça, depuis que je suis enfant. Quand j'avais 5 ans, grimper aux arbres. Elle ne sait toujours pas comment je suis arrivée là. Mais avec toutes les pièces étranges que recèle ce château, et tout ce qui rôde à l'intérieur comme à l'extérieur, pas besoin d'escalader une tour pour voir quelque chose d'incroyable. Alors vas-y. Quelles sont les rumeurs qui circulent sur mon arrivée à Poudlard? T'as toute petite bite. J'ai survécu à une attaque de dragon, c'est déjà pas mal. La plupart d'entre nous arrivent par train ou par bateau, pas en échappant aux mâchoires d'un dragon. Évidemment, ça fait jaser. Tu sais, les nouvelles bandites à Poudlard. Bah ouais. Bah ouais. Je pense qu'on la rumeur a tourné. Soit dans la salle commune, Potter. Soit dans l'escaladra ta prochaine tour. On sait jamais. Au revoir alors. Et voilà, on a connu nos trois potes là. Je spoil, elle, on la voit à la fin, elle peut sauter, elle s'écrase au sol. Elle meurt. Il a... Gate, il a bougé la jambe. Il a bougé la jambe? Ouais, il a bougé la jambe. Il était mais grand, mais qui était le mec qui a fait l'entrée vers Poudlard et qui faisait 1m10 ce genre? Il a mis le point, hop. Ah oui. Bon, bah il a un peu de lag, hein. Pourquoi t'es obligé de t'accroupir comme ça pour sortir de ou rentrer dans ton dortoir? C'est super nul. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée. Et on va avoir mal au dos, hein. Je rêve de ça. Et gros, Weasley, elle a attendu là toute la nuit que tu sortes. Juste devant. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. Il n'y a pas d'examen pour rejoindre Poudlard ou je sais pas quoi, là, comment ils font. Bah si, ça, voilà. Les à la fin de l'année. B-U-S-E. Le brevet universel. Mais j'ai l'air des examens d'entrée. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous. Non, parce que le PLE il est rentré en 5e année. Comme à ce genre. Avec le directeur et le département. Parce que du coup, ils viennent de découvrir qu'il avait un pouvoir secret là. Ça veut dire que Fig avant il ne le savait pas, le papy là. Pour assurer donc il est rentré comment? Bah, je sais pas, peut-être que c'est. Il a des prédispositions. Dispositions, ouais. Non, non, moi je pense que c'est juste. Sa famille. Pur. Bah. Il est riche. Qui que c'est que ça? Putain, y'en a du bouquin. Hein. Allez. Hop, le livre il est vide maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner. Moi je le fais en tout moment. Ah, c'est même bien. Grand, on aurait dit un vieux montage tellement c'était bien. Au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Tu le vois en fond des fois? Bah. Mais tu l'as mis où? Dans ta sacoche du prisonnier? Bah ouais. Sacoche du sorcier? La sacoche du sorcier. Suivre ma progression. Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Ah, juste à temps. Ah. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer ah rapidement. Ah non, c'est les flammes de cheminette. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. C'est les points de TP. Ah. Oh. Avec la cheminette. Oh mec, la map. Oh, la prof elle t'a dit où on peut se taper tranquille normal. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. J'adore les sortilèges. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal. Oh let's go. Et ne tardez le pas seul à vous utile à Poudlard. Poudlard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. T'as tout perdu. Quoi qu'on s'y... Mais oui, t'as pas changé d'habit là, hein. Depuis hier, t'as pas changé d'habit, mon cochon. Hein. Professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour. Et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Ah ouais. Vous rattraperez vite. Il y en a pour de la chance, hein. Putain. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Non. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon.
Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et... Je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites ? Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. C'est pas ce que je voulais dire. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Ouais. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Ouais. Bon, en vrai, il y a un de nos gars qui s'est fait griller quand même. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ça, j'y ai. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Ouais, on va faire les boutiques. Là, il y aura un truc à faire ici. C'est sûr. Bonjour. Je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard, et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. As-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier ? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux vides dans le reste de l'école ? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Ah, on m'a dit qu'elle lance Lumos, c'est quelque chose. Et surtout, viens me... Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder... Ah bah, c'est sûrement foutu, il y a cet endroit-là dans Poudlard, et t'auras un truc. Ouais. Mais ça, c'est pas... Ça ressemble beaucoup à ça, là. Et donc, est-ce qu'il y a une couille magique en bas, là ? Non, c'est là-bas. C'est sûr. Et là-bas, il y a une couille. Je vais te guider jusqu'à ton cadre. Ah, bah voilà. J'ai trouvé le papillon, Thomas. Papillon. Et là ? Papillon de lumière. C'est bon ? Ah, d'accord. Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. La musique. Mais elle est où, Lenora ? C'est pareil ? Allô, Mora. Lenora. Lenora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment ? Comment ? Ah, c'est ouais, super. J'ai trouvé l'endroit t'as le seum, hein ? Sur le tableau et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Non, t'aurais jamais trouvé Lenora, parce que tu es bête. Nati aussi est plutôt douée. Amit aussi. Même si la tendance a trop expliqué. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Le papillon de nuit. J'aurais dû le voir. Tenue royale bleue. Oh là 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 là. Pas n'importe qui, toi. Hein. Oh, de l'XP, je suis niveau 2.
Oh, regarde Thomas. Wesh. Oh, il est chaud, papy, là. Ah, mais c'est Peeves. C'est le fantôme farceur de Poudlard. Enfin, la collection des chats. Tous les chats seront caressés. Tous. Ouais, si en plus ils ronronnent, ils sont trop mignons. Oh. Oh. Oh, mais il y en a un autre là. Oh. Ouh, le chat. Oh, je peux vraiment se fracasser. Merde. Non, t'as fracassé le chat. Tu l'as déchiré, gros. Gros, regarde, il est ciblé. Yeah. Oh, je... Non, pas le chat. Arrête, pas le petit chat. Oui. Ah, le petit chat, mais non. Oh, je l'ai anéanti. Commencez la quête. Le premier cours à Poulière. Enfin le cours à Poulière, les cools.